Palais des Saveurs. Aujourd'hui, on réalise une pizza, mais avec une cuisson bien particulière puisqu'elle va se faire à la poêle. Une pizza à la tapenade verte et au crottin de chèvre, ainsi que les herbes fraîches. Alors, pour la garniture, je vais réaliser ma tapenade donc en mixant mes olives vertes égouttées, mon ail, le jus de citron et l'huile d'olive. Je détaille 25 g d'olives que j'ai réservées en rondelles. Je taille chaque crottin en 3 rondelles. Je prends la mozzarella, je la détaille le plus finement possible. Dans une poêle, je déroule ma pâte et je la cuis puissance maximum pendant 5 minutes d'un côté. Je retourne ma pâte. Je la garnis de la tapenade. J'ajoute la mozzarella. Les rondelles de chèvre. Les rondelles d'olive verte. J'ajoute du romarin, des herbes de Provence ou du thym ciselé. Ensuite, un filet d'huile d'olive tout autour de la pizza. Et je replace sur le feu. Alors cette fois, je baisse un peu l'intensité, puissance 4 environ. Et je prolonge la cuisson 2 à 3 minutes à couvert. Maintenant, je termine par des herbes fraîches ciselées. Et voilà. Avec une pâte maison, bien sûr, cela sera encore meilleur. Je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs et surtout, pensez à vous y abonner. Au revoir.